veux pas fermer ta gueule avec tes locks là, avec ta serpillère sur ma tête, tu vas ça les pardon, je pense que vous avez demandé quelque chose. T'as un problème. Mais on t'a parlé, est-ce qu'on te parle depuis tout à l'heure? Bah non, en fait, bah tais-toi. T'as écouté quoi? T'as écouté parce que tu foutais de ma gueule en fait. Il prenait un accent asiatique pour se foutre de moi. T'as pas écouté en fait, t'as pas écouté. T'as vu? C'est quoi le premier mot que t'as dit en nous voyant? Moi j'ai des amis. Le premier mot en la voyant. Moi aussi j'ai des amis. C'est quoi le premier mot? J'ai dit, vous ressemblez, c'était un compliment. C'est quoi la prochaine chose que tu vas dire? Mais t'as quoi? Regarde sous ma jupe, toi, par contre. On s'habille comme on veut, c'est un uniforme en fait, t'as un problème. Oui, mais c'est pas autorisé, c'est pas homologué. En quoi c'est un souci? Mais tu vas voir, mes bacs à l'air, tu vas voir ce qui va t'arriver. T'as un problème? Ouais, bonsoir, bien le bonsoir, honorable professeur. Bien le bonsoir, monsieur. Vous ressemblez au papa de Harry Potter. Vous le ressemblez beaucoup. Monsieur le professeur, il y a un labrador devant moi, je vois rien. Je te permets pas. Mais on va voir. Aïe. C'est la deuxième porte que je me prends dans la journée. Écoute-moi, petite gourgandine. J'aimerais savoir c'est comment modifier la... Attends, c'est à moi que tu parles, par contre? Bah oui, regarde ta petite jupe, c'est trop cool. Pourquoi ça tu m'appelles gourgandine? C'est gourgandine, en fait. Bah la jupe, elle est très courte, c'est normal. Bah et alors? Ça te regarde peut-être? Du coup, c'est pas normal, une tenue, mais demandez à leur professeur, il va vous dire que c'est pas une tenue réglementaire. Voilà. Genre, tu l'appelles pas gourgandine? Voilà. Non, tu as mal compris, non. Comment t'appelles-tu? Enchanté de faire ta connaissance. Gourgandine, mais t'as pas compris, non. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ces filles, elles sont énervées. Il m'appelle gourgandine alors que je le connais même pas. Non, je n'ai pas dit ça, Demandez à mes amis. Monsieur Bokassa, calmez-vous s'il vous plaît. Oui, je me calme. Allez vous asseoir là. Monsieur, pour modifier la portée de ma bouche, c'est... J'en sais rien, je suis pas magicien. Ah, d'accord, très bien. Oh, bon, mettre un sac plastique. J'espère qu'en cours, tu vas te la mettre en veilleuse. Allez, on y va. Pardon? Monsieur Bokassa? Oui, pardon, monsieur le professeur. Elle a insulté tout à l'heure. Parce qu'elle m'a insulté, c'est pour ça. Encore un propos de la sorte, c'est une heure de trop. C'est fou, mais les serpentards, c'est tous désolé. Oh, ça va, il va se la mettre en veilleuse, monsieur. Et oui, c'est notre réputation de serpentard qui parle. Eh ben, je te la mets où je pense, ta réputation. Madame Alistar, calmez-vous aussi. Voilà, merci. Il nous crache dessus là-haut. Vous avez vraiment des problèmes. Non, c'est ma manière. Ça se voit qu'ils sont vraiment de tuer. Non, mais c'est désolé. Oui, mais pas les malins parce que les premiers de la classe, ça va être nous, maintenant qu'on est là. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce soir, nous allons étudier le sortilège de réparo, donc qui permet de réparer et restituer l'état des objets cassés ou endommagés. Si je voulais raser de mécanicien, je reste au quartier. Je disais aussi que votre savoir va être mis en valeur dans ce cours, puisque vous allez pouvoir gagner des points de participation pour votre maison, donc 5 points de participation à celui qui participe le plus pertinemment. Monsieur Kasseb. Ouais, l'incantation, c'est réparo. Ah, ou l'intonation, l'accentuation, c'est ça que vous voulez dire. Réparo? Pas du tout. Je fous utiliser les bons termes, là, on comprend pas. Fous de ma gueule ou... C'est réparo. Ouais, c'est l'accentuation, du coup, c'est... Ouais. Ouais, donc la prononciation. Ouais. Donc, c'est un enchantement. Quelqu'un saurait me dire ce que c'est un enchantement? Moi. Monsieur Dong. Un enchantement, c'est quand, par exemple, on va voir une femme, on lui dit « Bonjour, enchantement ». Elle te dit « Oui, vous voulez aller dans la chambre ?» Après, elle vient dans la chambre. Et après, elle te dit « Oui, tu veux faire le boulot ?» Après, je dis « Non, c'est un chantier. » Arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Moyennant tarif, genre... Il est malin, c'est vrai. Fais pas la faillote, on t'a pas donné la parole. Du coup, lui a vraiment donné la parole. Ouais, excusez, non, monsieur. Allez-y, madame. Voilà, merci. Donc, c'est un sortilège qui n'a aucune connotation de magie noire. Monsieur Ishiki. Poufia. Ça attaque fort là. Alors la gestuelle, donc messieurs, ça sera pour le. Messieurs, s'il vous plaît. Désolé de vous déranger, mais il y a cette jeune demoiselle nous fixe depuis tout à l'heure. Elle nous regarde au lieu de suivre le cours. Merci. Bon, je crois que c'est le charisme, tranquille, hein, c'est normal. Je pense que madame sera pénalisée. Elle n'écoute pas le cours, c'est pas grave. Yep. Ah bah vous inquiétez pas, j'ai écouté, monsieur. Bah voilà, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Alors du coup, je disais pour la gestuelle, ça va vous servir pour la pratique de tout à l'heure avec monsieur Siméon qui va vous faire la pratique. Moi je fais la théorie et puis après lui il fait la pratique. Monsieur Siméon, est-ce que vous pouvez aller à la porte, monsieur Ishiki? La gestuelle, c'est un tourbillon. Pas exactement. Merci. Je vais être plus précis dans le propos. Je dirais plutôt que c'est un mouvement. Pour ce qu'on a parlé, sur Insta, là, je t'ai parlé. À gauche. Tout à l'heure, je vous ai indiqué l'effet de ce sort donc, qui permettait de réparer et de restituer les états des objets cassés ou endommagés. Si je puis me permettre, l'histoire de Réparo est beaucoup plus ancienne que ça. L'histoire a été écrite par les vainqueurs, mais c'est d'origine asiatique. Tout a commencé au 7e siècle, quand l'empereur Qing Hao a déclaré la guerre à la tribu des Pihao. Et du coup, ils ont voulu apprendre à se battre avec les catapultes.
culte. Et c'est là qu'a paru Maître Karaglas. Ah oui, les Mongols. Maître Karaglas, oui, est arrivé. Enfoiré de Mongols, oui. Oui, oui, c'est ça. C'était Mongol. Alors, Maître Karaglas est arrivé. De Mongol. Si vous avez un souci sur vos barbies, Maître Karaglas est arrivé. Non, monsieur, je suis désolé, mais vous laissez parler comme ça avec un accent comme ça. Ferme ta race. Pas respectueux. Non, mais sérieux. Elle va se calmer, Ultia, là-haut. Monsieur, vous avez entendu ce qu'elle a dit, wesh. Elle a dit, vous laissez parler avec un accent comme ça. Genre, il a un accent et du coup, il devrait fermer sa gueule. Monsieur, pourquoi vous avez. Oui. En disant caca. Je demandais à quelqu'un d'autre de me dire ce que fait Oculus Reparo, monsieur Bokassa. Oui, alors la variante Oculus Reparo, par exemple, ça peut servir pour réparer les deux gueules des vieilles woke juste devant, là, comme ça, qui parlent et qui me critiquent mon accent. Voilà, ça leur ferait du bien. Monsieur Siméon. Oui, pardon, j'ai rien fait. Bonne colle, monsieur. Oh, nice, déjà libéré, c'est trop bien ce savoir. C'est appréciable, les colles comme ça qui durent pas longtemps, c'est bien. Bah ouais, t'as vu, ça met bien de ouf. Hein. Bon, moi j'étais bloqué dans une table, mais tranquille, hein, on s'adapte. Hein. On ne retournerait pas là-bas pour insulter ces grosses putes de rousses. T'as vu ce qu'elle a dit? Elle a dit, oui, regarde, je supporte pas les accents, t'as entendu? Ouais, c'est wok, allez wok. Mais c'est quoi wok? C'est quoi? C'est les wok, c'est pas les wok wok? C'est le truc dans lequel vous faites la cuisine, genre vous. Ouais, c'est ça, c'est une tambouille de merde. Ce qui fait que c'est une grognasse. En fait, elle se cuisine, c'est une grognasse. J'espère qu'elle va être là. Petite walk-in, ouais. Ben elles sont là, elles. Une demoiselle qui est emballée dans le... Non, en fait, c'est avec toutes les demoiselles que t'es comme ça, en fait, y'a pas qu'avec non, nous. Non, j'ai pas parlé aux deux messieurs, je suis pas comme ça. Mais vous avez pas me moquer de ma race, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est mon accent. Mon ami chinois aussi parle comme ça. Non, c'est pas tout à l'heure que t'as pris un accent asiatique, en fait. Alors, rebonsoir, pour ça que j'ai pas encore vu. Bonsoir, professeur, quel secours. Plaisir. On va appliquer les mêmes règles que le cours d'avant, celui qui parle, il prend une colle. Non, c'est pas moi. T'es où, Abdel? C'est sur le sort Flipendo qu'on va travailler ce soir. À quoi il sert, madame Darlow? Alors, le sortir, je repousse tout, ok, Flipendo. Il sert à repousser un adversaire durant un duel ou alors à pouvoir échapper à une personne qui n'occupe plus. Alors, quelqu'un pourrait me dire l'effet que ça, madame, monsieur Black. Est-ce que je peux sortir si je l'ai déjà ou pas? Il fallait sortir avant. Pourquoi vous êtes rentré? Après, j'ai fait que j'ai pas pensé. On a pas trouvé, mais je vais ça sortir. Grognasse, t'inquiète pas, tu vois ce qu'on va te faire, grognasse. Par contre, excusez-moi, mais pendant votre absence, le serpentard derrière avec le pull assis, il s'amusait à venir me menacer en me traitant de grognasse et qu'il allait s'occuper de mon cas. J'en ai plusieurs témoins. On peut vous affirmer qu'il n'a rien été dit de ça, monsieur. Madame Darlow, oui. Je suis totalement témoin, il a bien dit ça. Et ah non. Aux autres élèves, monsieur. Demandez aux autres élèves, c'est pas vrai. Non, monsieur, c'est faux. Hein. Vous savez ce qu'on va faire, monsieur Dong? La prochaine fois que vous ouvrez votre bouche, c'est une colle directement. Bien sûr, monsieur, je suis d'accord, pardonnez-moi. Voilà, et ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Des accusations très graves, d'accord. Ça commence maintenant, d'ailleurs. C'est bon, donc. Monsieur. Calme-toi. Il est gentil, ce prof. Donc, on va passer au type de sortilège. Voilà, je pense que je vous ai pas dit au début de cours parce que j'étais un peu perturbé par les élèves agaçants. J'attribue 5 points à ceux qui participent le plus pendant le cours et celui qui va me faire un bon résumé à la fin du cours également. Monsieur Maclouf. C'est un maléfice. D'accord, monsieur Bokassa. J'entends. Ah oui. Enfin. Parce que je sais pas, mais il y a comme une différence au niveau du mélanone. Vous me répondez pas. C'est parce que j'ai interrogé les gens qui n'étaient pas encore interrogés comme madame. Oui, mais je n'ai pas été interrogé. J'élève la main. J'espère que c'est pas à cause de ma tête qui est un peu différente. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout. J'espère bien. Une préférence, monsieur Bokassa. Je disais, nous en Afrique, ça, on peut utiliser Protego là, comme ça, quand on va se baigner là pour contrer les piranhas. Par exemple, les plans carnivores. Si je vais je vais me balader par exemple dans l'Everglades. Si j'ai mis les Protego là, ça me protège des petits alligators, tout comme ça? Oui, voilà, ça protège des sorts physiques, donc oui. Ah, oui, d'accord, c'est qu'est-ce que je voulais savoir. C'est trop des cours là. Par contre, Marie et Lola, je vous vois ricaner. Hein. Oui, mais elle ricane alors que j'ai le droit de donner mon avis, de demander une question. Il n'y a alors, pas de question stupide. On n'a pas parlé, c'est quoi ton problème? Oui, c'est ça, j'ai vu le rictus. Très bien, j'ai bien vu. Bon, monsieur Bokassa, retourne à votre place. Très bien. Voilà, donc on a fait le tour du sort, je pense. Même le prof, il rigole. Un élève de chaque maison. Moi, Serpentard, moi. Les deux là, les deux chanteuses de tatou là, vous allez dégager bientôt là. Ah, mais wow. C'est le professeur. Comment ça, tu nous menaces? Je comprends pas, tu peux répéter? Oui, elle m'interrompt là, s'il vous plaît, je dois faire les résumés. On va commencer le résumé. Allez-y, monsieur Bokassa, vous pouvez commencer. Et Flipendo, c'est un sort qu'on jette pour faire se défendre. C'est un truc qui défend. Son contre-sort, c'est les Protego. Ça va bien ensemble et ça pour attaquer. Ça met le gars par terre là, comme ça. Et il fait comme ça. J'ai mal. Blanc de blanc, j'ai mal. J'ai mal, je comprends pas ça.
ça là. Par exemple, en situation, si j'ai une fille comme Lola, Marie qui arrive dans le couloir, elle m'agresse. Je prends le flipendo, ta, dans son tête, ta, ta. Voilà, ça c'est réglé ça. Elles arrêtent de m'embêter, de m'harceler. Parce que je suis noir, ça sert à ça pour se défendre et attaquer. Avec flipendo, tu vas pas. Désolé de te l'apprendre, mais je suis assez content. T'as une odeur assez particulière, s'il te plaît. Pardon, monsieur, elle a dit que je te sentais mauvais parce que je suis noir. Madame Alistair, vous pouvez. Elle est sérieuse là? Racisme ou non? Oh non, Lola, elle a pas de mal. C'est pour elle. En même temps, Marie, c'est ça, traîner avec une loseuse. Tu ferais mieux de parler mieux de ma meilleure amie. Ah, mais du coup, tu pratiques la manimagie, ça veut dire que t'étais à Ouagadou? Oui. Oui. Je pratique tout. Du coup, c'est pas trop galère d'apprendre d'utiliser une baguette, parce que bon, il me semble que enchaîner les deux, c'est compliqué. C'est... Non, t'inquiète pas, avec mes doigts, j'ai fait beaucoup de choses avec mes doigts, si tu savais. Viens me rejoindre au dortoir tout à l'heure à 18h. Tu vas voir avec mes doigts. T'as pas envie de toucher à tout crasseux, là. Ça ira, ça ira. Le cours était exemplaire, monsieur professeur Ashford. C'était vraiment bien. Bah, t'as pas le sort. Attends, il va parler à Yuko. Je vais les claquer. Non, mais je pense vraiment tu vas devoir calmer sur ton harcèlement. Vas-y, vraiment, c'est pas possible. Mais elle me. Écoutez-la, elle parle de harcèlement alors que c'est le premier cours avec elle. T'as un problème? Monsieur Bokassa, s'il vous plaît. Oui, oui, mais oui, elle me parle. Monsieur, vous avez vu, j'ai rien fait. Je alors, suis mort. Tu viens, tu me dis des mots assez étranges. À un moment donné, si, t'as fait quelque chose en fait. Niatawe. J'ai pas l'impression que tu comprends pas. Niatawe. Non, mais c'est pas grave, j'ai compris. T'as un problème avec les femmes. Ta maman t'a pas assez aimé dans ta jeunesse, c'est ça? Tu veux qu'on en parle? Ta maman t'a pas donné assez d'amour quand t'étais gosse, c'est dommage. Bon, Ultia et l'autre là. Oh, bah bravo. Léon, tu suis ce tag. Exactement. Mais oui, c'est mon ami. Oui, bien sûr. Mais il se fout. Mais on n'est pas raciste. Oui, il a dit. On est tous amis. Raciste. Vous avez tenu des propos. Vous êtes tous stupides. C'est pas pareil. Raciste. C'est Léon. C'est lui là. Le bâton, c'est dans la poche. Vous avez pas vu, monsieur? Lui là, il m'a lancé un sort. Tu lances des trucs. Lola et Marie, on va se retrouver dans un couloir. On va voir si vous avez du courage. Mais tu vas voir, mais Bacal, il a pas de courage. Tu vas voir sa baguette. Tu vas voir ce qui va t'arriver. T'as un problème? Bah alors, monsieur, tu veux quoi, le chevalier blanc là? Peuvent se défendre toutes seules, laisse-les. Tu penses parce que nous on est pas des séparatants, on sait pas défendre? Bah si, en fait, on sait. Attendez, en fait, nous, pourquoi on a de l'intelligence, on a des neurones comparé à toi? Mais c'est stigmate, marche pas. Parce que tu es blanche, t'es plus intelligente que moi, c'est ça? Allez, venez, je vais arbitrer le duel. La grande élite des racismes. Calmez-vous, calmez-vous là. Dis le mec qui a imité l'accent de mon ami asiatique juste ici. Mais je n'ai jamais imité. C'est Pipindong, il est asiatique, idiot. Monsieur Bokassa. Oui, mais elle m'accuse des faits qui sont pas vrais. Moi, je vais serrer le poing, elle va voir. C'est bizarre pour ces faits, t'as pourtant été collé, donc je pense que c'est vachement vrai quand même. Hein. Non, mais j'ai eu le sort, toi, tu n'as rien. Calmez-vous. Parce que je travaille bien à l'école. Mais calé, ça sert à quoi en fait? Parce que les Africains ont leur place ici à Poudlard, voilà. Mais oui, comme absolument tous les élèves. Non, c'est pas ce que t'as dit tout à l'heure, t'as dit que je sentais mauvais. Monsieur Philippe Dong, je vais en parler à votre représentant de maison. Vous avez relevé les propos racistes, j'espère. Monsieur aussi, monsieur Magari, vous aussi, je parle à vous. Mais ouais, mais en fait, j'ai. Mais voilà, mais ils pensent juste que le monde est contre eux. D'accord. Non, mais en fait, franchement, vous êtes les deux seules églises. Il y a beaucoup d'élèves qui me rejoignent. Tout le monde, c'est merde. Juste de toi, juste de toi, la Rapsword. Tu veux pas fermer ta gueule avec tes locks là, avec ta serpillère sur ma tête? Vas-y, toi, ça les fait. Le niveau est bas, gros, le niveau est très très bas. Bakari, viens voir. J'ai rigolé comme une grognasse. Non, non, on rigole. Pourquoi tu dis quoi? Ça fait ça qui tourne? Timide bien aussi la voix des filles, comme la voix des asiatiques. Dis donc, trop fort. Tu peux devenir acteur, dis donc. Ouais, c'est fou. Tu vois, il y a quand même un acteur, c'est incroyable. J'ai porté plainte contre vous, vous allez à la direction pour racisme. Vas-y, porte plainte contre tu nous. Tu veux un honneur? Tu veux contre récompense? Je t'en prie. Oui, c'est tout ce que tu mérites. Toi, en plus, t'es raté, t'as échoué sur le flipendo, espèce de nul. T'es nul. Échec scolaire. Mais toi, t'as eu presque aucun autre des sorts. T'étais là parce que tu t'es fait coller. Mais s'il y a des racistes ici, en fait, c'est toi le grand raciste. Non, j'ai des amis asiatiques, j'ai des amis blancs. Mets-toi en question. J'ai des amis chinois. Mais là, qu'est-ce qu'il a sur lui? Regardez là, t'as quoi, toi? T'as juste un bon toutou, tu fais barbac à lui. Ouvre les yeux, il se fout de toi, il se fout de ta voix et tu suis comme un chien. T'as un problème, Léon. Exactement. Pourquoi tu es énervé là avec ta petite jupe là? Tu vas retourner dans ton dortoir maintenant. Tais-toi, c'est quoi ton problème? T'as vu ton pantalon qui te sert là au milieu ou quoi? Oui, c'est ça, on gâte le coin parce que j'ai un paquet. Tu as regardé en bas. Tu attaques sur des vêtements. Encore du racisme, les gars, regarde mon entrejambe, c'est du racisme. Rien, tu feras gaffe, c'est un peu petit, ça fait vraiment la taille de mon auriculaire. Vous avez vu, elle parle de la taille de mon. Alors, devant tout le monde, les gars, vous avez entendu? Bah, je veux pas dire, mais tout à l'heure, t'as dit que t'allais me faire des choses avec tes doigts. Donc, bon. Je parlais de magie. Ah, c'est toi qui m'as interprète, qui interprète les choses mal alors. T'as l'esprit mal placé. Non. Ouais, c'est comment tu fais? C'est de gros dégueulasse. Ce j'en parle de ce que t'as fait là à l'instant là, tu m'as touché le paquet. J'en parle ou pas? Tous les serpentards sont protecteurs là. Je peux pas l'avoir touché, mais j'arrive. Commence pas à parler de protection alors que t'as ton vieux toutou qui lance des sorts pour toi, bouffonne va. Bien envoyé. Pardon, je pense que vous avez demandé quelque chose.
Voilà. T'as un problème. Mais on t'a parlé. Est-ce qu'on te parle depuis tout à l'heure? Bah non, en fait, bah tais-toi. Moi, je m'en bats les couilles. Vous êtes racistes. Mais il arrive. Il y a pas de problème. Voilà, il y a plusieurs élèves qui le pensent. Je sais juste que dans le cours, vous avez dit d'où vous laissez parler avec son accent. La première asiatique raciste. C'est normal. T'as écouté que se foutait de ma gueule, en fait. Il prenait un accent asiatique pour se foutre de moi. T'as pas écouté, en fait. T'as pas écouté. Mais t'as pas d'accent. Mais c'est parce que je ressemble à une asiatique. Mais c'est pareil. Non, mais je sais pas ce qu'il en est. C'est tout. Elle ressemble à une asiatique, alors. Ouais, bah, allez, va pleurer ailleurs, là, allez vous faire des câlins dans votre lit, là, faites n'importe quoi. Tu veux même pas te pleurer, tu veux même pas le coup. Si elle dit qu'elle est asiatique, c'est qu'elle est asiatique, en fait. Moi, j'ai la côte, les gens, ils m'aiment bien ici, je suis apprécié. La côte de quoi? Mais de quoi? T'as la côte au cachot, en fait, quand tu te fais mettre en côte, que tu me racontes. J'ai eu un cachot, c'est tout. Misogyne, c'est tout, t'es juste misogyne. Vous avez vu les accusations, les gars? Quand vous serez viré pour racisme, vous viendrez à genoux, vous me suppliez de vous laisser ici. Allez, mon papa, c'est lui qui finance une grande partie de l'école, c'est un grand mécène. Et non, mais écoute, j'attends qu'on vienne me voir et qu'on me dise que je suis virée pour racisme pour des choses qui sont fausses. Bah, oui, moi. On verra. J'ai des amies filles avec qui je m'entends bien, mais elles sont pas des, comment dire, écervelées comme vous. T'as vu des quoi, ça, c'est quoi le premier mot que t'as dit en me voyant? Moi, j'ai des amies filles. Quoi, t'as dit le premier mot en me voyant? Moi aussi, j'ai des amies. C'est quoi le premier mot? J'ai dit, vous ressemblez, c'est un compliment. C'était gourgandine que tu as dit. C'est quoi ton problème? Non, Bourbana. J'ai dit Bourbana, c'est un nom africain. T'as attaqué ma pote, en fait. Ouais, je sais pas. Laissez-moi mon espace vital, arrête de m'agresser. C'est toi le misogyne de base, en effet. C'est toi, il a plus de fonds, alors tu la connaissais pas. Vous êtes à deux contre moi, arrêtez, laissez-moi respirer. Ouais, on est à deux contre toi. On est à deux, bien sûr, il y a des gens qui viennent dans des flipendo, on est vachement à deux, dis donc. Allez, changez vos couches, vos lingettes là, vous sentez là. On sent, mais tu t'es vu en fait. Ça sent, on sent que vous êtes en période là, ça se sent. Vous suez, ça commence à puer là, de ouf. C'est en train de germer à l'intérieur là, va te laver. Oh waouh, je me sens agressif. Non mais tu vois, en fait, moi j'ai compris. Non mais tu vois, c'est pour ça qu'ils mettent un... Parce qu'ils ont chaud, et comme ça peut cacher avec la chemise. Nous, quoi? Vous avez entendu que j'étais africain dans mon pays, il fait chaud. Vous avez entendu? C'est grave en sueur, c'est ça. C'est faire un signe d'odeur dans la classe. Je me demande tout ça vient. Tu vois, je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai juste une intimité. Regarde la fille derrière toi. Elle a la décence de mettre un petit collant. Vous, vous mettez les jambes nues là, ras la fouf, la jupe comme ça, c'est normal? Et alors, c'est pas une tenue appropriée. T'as un problème, quoi? Tu vas dire quoi? C'est juste que tu vas dire. Mais t'as quoi? Sous ma jupe, par contre, on s'habille comme on veut, c'est un uniforme en fait, t'as un problème, vraiment. Oui, mais c'est pas autorisé, c'est pas homologué. En quoi c'est un souci? Vous n'avez pas arrasé la jupe comme ça, on voit les genoux, on voit les cuisses, on voit tous les cuisses, on voit tout. T'as plus trop de pâte dans ta tête. Vous voyez ces filles, comment elles s'énervent pour rien, alors que j'ai raison. Allez faire un showcase à la snack là, laissez-moi tranquille le groupe tatou là. Allez vous tatouer là partout, vos parties là, les nouvelles Spice Girls ratées là. C'est fou, plus tu parles, plus c'est un problème, plus tu parles, plus c'est un problème. T'as un problème avec les filles, mais il va te faire soigner. Non, j'aime bien les filles. Mon papa, il a trois femmes, non? Il aime bien ça. Je pense que t'as des problèmes. Hein. Mais on s'en fout, on s'en fout. Oui, mais ça, faut respecter ma culture alors. En Afrique, on a le droit à la polygamie. C'est en Afrique, c'est comme ça. Allez, c'est bon, j'ai gagné. Allez, à notre cours, on y va. Bien joué, Pakahi. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.